Au sein d'une meute de mammifères sociaux, la hiérarchie suprême, une fois établie, ne coupe pas le chef de meute, le mâle alpha, le roi, du reste de la meute par une distance physique entre celle-ci et lui. Le roi des loups, ou celui des chimpanzés, dort à quelques mètres du membre le plus bas placé sur l'échelle sociale de la meute. C'est comme si aujourd'hui un chef d'État dormait dans la même chambre qu'un sans-abri. Mais comment, dans un système d'individus prétendument supérieurs et civilisés, un chef de meute peut-il être crédible alors qu'il est physiquement coupé du reste de la meute dont la plupart des membres dorment dans des maisonnettes éloignées de son château fort? Mais comment une meute d'êtres pensants pourrait-elle naïvement croire en lui? Je ne vois pas d'autre réponse que celle-ci. Ses membres sont aveugles. Ils ne pensent pas, ou peu, et par conséquent ne méditent jamais sur ce que je viens de dire. À la limite, comme je l'ai dit, le roi des chimpanzés est plus crédible que le roi des hommes, car il dort près des siens et mène une vie plus ou moins comparable au peuple chimpanzé. Tous sont dans la même barque. Par conséquent, si à cause des choix politiques du chef des chimpanzés, l'eau pénètre dans la barque, ce ne sont pas seulement les membres se trouvant tout en bas de l'échelle sociale qui auront les pieds dans l'eau, mais aussi le chef et ses enfants. En améliorant ses propres conditions de vie, le chef des chimpanzés améliore celles de tous ses congénères. En revanche, le roi des hommes est, lui, coupé des réalités de ses concitoyens. En améliorant ses conditions de vie, il n'améliore pas systématiquement celles de son peuple. En augmentant le chauffage dans son château en hiver, il ne rend pas la vie plus supportable aux membres de la meute qui vivent sous les ponts et dorment dans le froid. Le roi des hommes, celui-là même qui fait les lois, pourra par conséquent faire des lois allant à son avantage et non en faveur de l'intérêt général et du bien commun. Chez les chimpanzés, le mâle alpha, le roi des singes, doit assurer une stabilité et une bonne ambiance au sein de son petit peuple, au risque de se faire éjecter. Il suffit de lire les livres du primatologue Franz de Waal pour le constater. Au contraire, du sommet de son système représentatif, le roi des hommes doit faire le strict contraire s'il veut garder sa couronne. Diviser pour mieux régner. En effet, de cette manière-là, les membres de son peuple se battront entre eux, sans voir, au-dessus de leur tête, l'ennemi commun qui leur dérobe leur souveraineté.